Allô? Bonjour, ma. Laisse-moi, ça ne va pas. Tu fais les bêtises depuis le matin comme ça parce que c'est chaud ici. Ton beau-fils n'a rien. Même pour manger sans les problèmes. Allô, laisse-moi, tu peux m'envoyer même 1 000 francs là-bas. Je vais sauter le riz. Il y a seulement 1/2 kilo de riz ici, là, et ça ne peut pas suffire. Même les condiments n'est pas. D'accord. J'attends alors. Merci. Ma chérie. Ma chérie. S'il te plaît, viens. Pardon, on se connaît. Ouais, maman, tu ne sais pas pourquoi je t'appelle. Viens, s'il te plaît. Je viens faire quoi là-bas en haut? Tu avances jamais dit bonjour. Je viens chercher quoi? Pardon, mais il ne faut pas me commencer ce matin. Je ne veux pas. S'il te plaît, viens. Viens, maman. Ouais. Je viens parce que je suis mon voisin. Si j'arrive là-bas et que tu me racontes les conneries, je vais te balancer là-haut. Parce qu'ils m'ont dit depuis le matin. Tu ne les connais même pas. Je mange pas mon mange l'oracle. Ouais, ma mère, c'est la brutalité. C'est la guerre ou quoi? Moi, ma mère m'a toujours dit ceci. Quand on t'appelle, on ne refuse pas l'appel. On refuse ce qui vient derrière l'appel. Tu sais même pourquoi je t'appelle, je te mets dans tous tes états et ça, c'est normal. Tu m'appelles d'abord pourquoi? Tu sais, j'ai des soeurs, tu vois. Et ta situation ne m'arrange pas du tout. Tu t'enlèves, ton observé là. Et ça ne m'a pas vu, ça m'a vraiment pas plu de te voir souffrir ici. Une aussi jolie femme que toi. Demande, il y a un miroir chez vous. Et Dieu, ça veut dire quoi? C'est pour ça que tu m'appelais. Voilà mon feu. Si ça s'éteint là, je t'ai prévenu quand je montais. En fait, je ne suis pas encore intégré. Parce que dans ta tête là, c'est comme si tu penses que tu es en face d'un potentiel dragueur. Je ne suis pas encore intégré, tu sais. Ta chanson ne me plaît pas. Et j'ai besoin, j'ai envie de t'apporter une aide. Une aussi belle femme que toi ne peut pas souffrir. Regarde tes mains. Une fille jaune, bien. C'est comment? Regarde, ça va t'abîmer. Ton problème, c'est où c'est souffre? Non, non. Ton problème, c'est où? Personne n'est peut-être que mourra de famille. Pardon. Peut-être que mourra de famille. Je suis à me plaindre chez vous. Et ce que je vois là, c'est quoi? Je suis en train d'allumer mon feu, ça te gêne? Bien sûr que ça me gêne. J'ai des petites soeurs comme toi. Et te voir souffrir ainsi me dérange. Ça me fend le cœur. Hein? D'ici peu, tu auras mal aux yeux. Chaque jour, le charbon. Et la fumée, là, tu diras, elle va te causer le mal des yeux un jour. Et tiens, tu as un problème. Ce n'est pas ça. Ton problème, c'est lequel, même si j'ai mal aux yeux, c'est toi qui vas m'envoyer à l'hôpital. Et madame, on ne peut pas vous conseiller ici dehors. Me conseiller avec quoi? Donc, tu vas me conseiller dans mon foyer. Mais c'est même quoi ça? Le conseil que ma pote te donne, c'est que si tu vois que ça ne donne pas, il est mieux que tu ailles voir ailleurs que de souffrir autant. Hein? Je t'ai dit qu'elle souffrait. Moi, je t'ai dit qu'elle souffrait. Ouais, petite sœur, tu n'as pas besoin de me dire. Moi, pardon, je ne veux pas. Tu n'as rien à me dire sur ma vie. On cherche même, c'est moi que tu es en train de chercher. Tu comptes, qu'elle va trouver mieux. C'est chez toi. Pardon. Bon. Loin de là, l'idée de te fâcher, tu vois un peu. En fait, si tu t'appelais, c'est pour t'apporter mon aide. Hein? Tu vois, ma cuisine est juste là à gauche. Tu es encore là. J'aurais bien voulu te proposer de prendre cette nourriture, aller la préparer chez toi, mais malheureusement, tu n'as pas le gaz. Le même charbon va te déranger. Donc, ce qu'on va faire, c'est quoi? Tu ancres le frigo, tu prends tout ce qui est nécessaire. Tu fais ta cuisine. Il y a les bols là. Il y a même le thermos si tu veux. Dès que tu finis de cuisiner, tu n'as pas besoin de me garder. Hein? Tu charges, tu pars avec. Tu manges avec ton mari. Ça me fait très mal de voir une petite sœur souffrir comme ça là. C'est que je suis célibataire, mais. Je suis pas là pour te garder, juste pour t'apporter mon aide. Ça t'est dit. D'accord. J'ai compris. Non, ne te fâche pas. Non, je ne suis même pas fâchée. Mais si ce n'est que pour m'aider là, il n'y a pas de problème.
Moi, on commence à la cuisine, je finis de faire à manger. Et puis je rentre chez moi, je ne veux pas que mon mari me couvre ici. Non, moi, je suis juste à ta gauche là. Allons, je me montre de chez toi, non? Ok, allons, allons. Attention, j'allons, je suis juste à ta vie. Edine, hey, hey, je rêve ou quoi? Edine, hey, oui. Ah, c'est bien comme ça? Hey, attends, je rêve ou quoi? Peux-tu démarrer là-bas? Non. Laisse-la vite. Hey. Je suis pas là. Tu m'as couché avec. Tu te frappes, hein? Tu m'as couché avec les voisins, n'est-ce pas? Non, hein? Tu m'as couché avec les voisins quand je suis pas là. Donc, Dieu merci, je suis vite rentré aujourd'hui. Donc, c'est comme ça. Hein? Non. Tu m'as dit non. Qu'est-ce que tu as venu voir là? Tu sors d'où? Attends, tu m'expliques quoi? Hein? Tu ne parles plus? Attends, non. Vas-y alors. Tout à l'heure, j'étais en train d'allumer le feu et puis le voisin il était là en haut. Il m'a interpellé, il m'a appelé que je peux. Est-ce qu'il peut me causer? J'ai dit oui. Ma soeur a dit comment il ne peut pas me voir souffrir comme ça au feu de bois et tout et tout et tout. Au charbon. C'est pour ça qu'il m'a donné sa cuisine. Il dit que je peux faire manger et puis je descends avec pour qu'on mange. Tu t'entends parler? Tu peux faire manger, tu descends avec pour qu'on mange. Pas pour lui, pour nous. Pour nous? Oui. Attends, il t'a dit que je souffrais. Il t'a dit que j'avais faim. Chérie, toi, tu ne vois pas qu'on souffre déjà assez. On souffre sur quoi? Comme tu vois pas ça, tu es parti au matin, tu as laissé quoi ici? Quoi? Je n'ai pas laissé le tapioca et le demi-kilo de riz. Chérie, allez manger ça avec quoi? Même le sucre, il n'y avait pas. Les condiments pour sauter le riz, il n'y en a pas. Tu voulais qu'il fasse comment? Maman, dans mon village, on mange le tapioca même avec du sel. Même le sel est fini. Je suis allé demander le sel chez la voisine. Hé hey! Tu pourrais taper le tapioca avec le sel, tu manges, non? Hein? Tu ne peux pas faire ça? Tu parles du riz. Voici même les oignons que j'ai ramené sur mon ami. Pour sauter le riz là. Donc c'est seulement les oignons qui vont sauter le riz là. Attends, le riz plus oignons, ça ne peut pas vous sauter. Pourquoi vous parlez de quoi? Pourquoi la tomate? Il n'y a pas d'eau. Hey. Donc tu peux faire aller chez les voisins maintenant. C'est ça? Non, hein? Chérie, non. Tu sais pas qu'elle peut te tuer? Non, chérie. Non. Tu pars chez le voisin, oh, tu vas aller parler avec le voisin là. Voisin, c'est comment tu as tué l'enfant là? Mon ami, descends ici, tu vas voir ce que je vais te faire. Tu es malade? Hein? Tu as mis ma femme chez toi? Elle te prend pas où? Tu te prends pour qui? On a un problème. Fiche-moi le camp. Descends ici, tu vas me voir. Mais tu te prends pour qui à la femme? Tu as quoi ici là? Tu oses inviter ma femme? Hein? Comment celui-là? Ah, ok, je descends alors, est-ce qu'il peut être un homme? Je viens. Big God idiot! Descends ici si tu es un homme. Descends! Je vais te montrer maintenant. Celui-là. Hein? Tu es là? Tu vois là? Tu vois là? Hein? Tu appelles qui? Tu appelles qui? Là, j'ai ici maintenant. Tu appelles qui? Si vous arrivez. Attends, peux-tu pas poser ma question? Tu es qui? Entre homme comme pas homme là, tu peux poser. Tu es quoi? Tu es quoi? J'ai pitié de ton pied. Ah, laisse ça! Laisse ça! Demandez, pourquoi vous les hommes vous êtes comme ça là? Hein? On va apporter une aide à ta copine, ça y est, un problème d'état où tu tournes, c'est comment? Qu'est-ce que tu vois quoi? Tu vas apporter quoi? Une aide, regarde, là, quelle est ce coup? Quelle situation? La misère. Oh, t'as dit qu'elle souffre? Pardon? Hein? Elle a mangé depuis le matin. Et t'as dit pour parler non? Tu parles quoi? Moi je n'ai rien vu. Oh, t'as dit que le chômage y a rien? Okay. Mon ami, okay. Mon ami, tu n'arrives pas à vivre en famille. Je vais te dire une chose. Attends, laisse-moi parler. Tu comprends? Je vais te dire quelque chose. Hein? Toi, tu es dans tes millions, dans tes milliards, dans tes grosses nourritures. Hein? Moi, je suis dans mon tapioca, mon riz sauté. Tu comprends? Je vis bien.
Le bonheur que tu vois ici est comme un escalier. Chacun le vit à son niveau. Je ne t'avise plus jamais, je dis bien jamais, de donner quelque chose à ma femme. Ok? Apparemment, j'ai mal fait. Madame, je m'excuse. Hein. Non, mais vous n'avez pas mal fait. Que quoi? Alors, je ne pas ton bouquin. Que quoi? Il n'a pas mal fait. Il n'a pas mal fait. Ok. Je vais te montrer. Essaye encore un jour. Tu verras qui je suis. Tu verras. Tu verras de quel point je me chauffe. Chez moi, il n'y a pas encore tout le rêve. Mais le jour que tu portes en commun, je viens devant moi. Tu ne vas pas te dire. Madame, on ne tape pas sur une femme devant moi. Jamais vous, non. Non, non. C'est pas qui prenne son handicap pour. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas dans mon camp que je ne peux pas me reposer? Toujours les bruits, les éclats de voix. C'est quoi le souci? Bah, c'est bien parce que vous êtes là, parce que là, ça. J'ai dit à les mots. Il y a quoi ici? Jesus. Albert. Bah, Madame Jesus. Il y a quoi ici? Il y a eu quoi? Tout à l'heure, j'ai vu cette dame là, elle s'est démêlée là. Elle s'en fait le charbon là. Elle faisait quoi? Elle s'est démêlée là, elle voulait, je sais pas ce qu'elle voulait cuisiner là, ça ne donnait pas. Oui. J'appelle la dame. Je fais ton plan, je ne peux pas avoir pour moi une hygiène sœur souffle, alors que j'ai un peu. Comme on dit souvent, généralement, quand il y en a pour un, il y en a pour tous. Oui. J'appelle la jeune dame, lui dit, bon, quand il voit que tu n'as rien à préparer, va dans mon frigo, prends, sors quelques paquets de poissons et le condiment, tu fais à manger. Et étant donné que ton charbon va te déranger, il est préférable que tu ne peux pas chez moi. Oui. Et quand je finis de cuisiner, je prends les thermos, ou alors les gros assiettes là, tu verses la nourriture dedans, tu descends avec ton mari, tu vas manger. Quand ma grande surprise est dans la maison, je suis les éclats de voix ici, où tu fais quoi là-bas, tu sors avec le voisin, il veut taper sur sa femme, je n'ai rien compris. Quand elle descend, il me menace de mort. Ok, j'ai suivi. Jesus, c'est vrai ce qu'il. Beef doc! Je suis là, je ne veux pas des insultes. Hein? Tu peux me respecter? Écoute un peu, je suis en train de te parler, je suis là, je suis le propriétaire de ce camp, je veux que tu me dises, que s'est-il passé? C'est comme il explique là. Monsieur le bailleur. Oui, il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis l'ancien locataire d'ici. Écoute un peu. Ancien, j'ai jamais eu de problème ici. Oui, que se passe-t-il aujourd'hui? Avec ma femme, je vis ma vie. Oui. Dites à ce monsieur que s'il a ses moyens, il a les orphelinats là-bas. Que s'est-il passé? Hein? Pour que vous vous retrouviez là? Vous vous rendez compte? Je laisse ma femme préparer un petit riz sauté. Alors le bon monsieur, il vient détourner ma femme. Il la met chez lui. Gaillardement. Sans mon consentement. Sans mon consentement. Alors ma femme est devenue ménagère là-bas. Et toute ma femme est en train de laver les assiettes là-bas. En train de faire la cuisine. Mon Dieu. Vous trouvez ça normal? Madame Jesus. Hein? C'est vrai ce que votre mari dit. Hey. Vous avez lavé les assiettes chez lui? Non, je n'ai pas lavé la vaisselle. Est-ce qu'il vous drague? Non. Hein? Il ne me drague pas. Et qu'est-ce que vous êtes allé faire chez lui? J'étais en train de vouloir cuisiner. C'est comme le feu dans mes derrière. Je ne vous suis pas. J'étais en train de vouloir cuisiner. Je suis là. Oui. Le feu dérangé. C'est comme ça qu'il m'appelle. Donc, il ne peut pas me voir souffrir comme ça. Comme il a le gaz et tout et tout. Que je passe à manger là-bas. Si je comprends bien, tu étais là, bon, excuse-moi de te tutoyer, hein, moi je t'ai toujours voyé. Si je comprends bien, vous étiez en train de faire à manger, donc en train d'apprêter votre charbon. Oui. Quand il vous a fait appel, il vous a dit, tenez voilà, j'ai les choses chez moi et tout. Est-ce que d'habitude vous partez là-bas? Jamais. Vous parlez souvent? Non. Ouais. Bon, écoutez, hein, on va faire ça. Ah. Écoutez, Albert. Je ne sais pas, je sais que tu es célibataire, n'est-ce pas? Et en toute honnêteté, je pense pertinemment que chaque homme a ce qu'on appelle l'honneur. Hein? Chaque homme défend son honneur, sa dignité. Hein? Alors, si déjà tu ne parviens pas à dire bonjour à tes voisins, d'où vient-il que tu t'offres ce luxe-là, n'est-ce pas? De dire à la femme de ton voisin, voilà, viens faire à manger chez moi. Tu vois que ça prête un peu à confusion, non? Mets-toi un peu à sa place, après ta confusion, parce que quelque part, hein, moi, je ne peux pas permettre ça. Non. Que ma femme ne parle pas à quelqu'un. Et même si vous parlez, je pense quand même qu'il serait mieux que si tu as quelque chose à donner à ce couple, que tu te rapproches de ton frère, qui est un homme comme toi, et que tu lui dises, mon frère, je vois la situation dans laquelle tu vis. N'est-ce pas? Voilà le peu, je peux aussi t'apporter ce petit effort-là, de façon polie. Parce que quand tu t'en vas faire ça à l'endroit de sa femme, franchement, ça le rabaisse.
Tu penses qu'en mangeant cette nourriture-là, elle saura que c'est un autre homme qui a eu à la donner. Ça rabaisse Jesus. Et toi aussi quand même, Jesus. Le voisin, sûrement de façon innocente, hein, et peut-être maladroite, a pris sur lui de dire à ta femme, peut-être sous le coup d'un cœur brisé, parce qu'il a mal au fond de lui de voir une sœur souffrir. Il se dit donc, non, je l'aide. Il a été maladroit. Mais sa maladresse était basée sur le fait qu'il veut vous aider. Il veut vous aider. Donc, je pense pertinemment qu'au lieu d'être jaloux, moi, à ta place, tu serais venu, si tu l'as trouvé en train de laver même les assiettes, il fallait appeler calmement ton frère et lui demander que, mais mon frère, qu'est-ce qui se passe avec ma femme? Et à ce moment-là, il allait t'expliquer une des choses. Tu vois un peu? Non, 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 je ne t'ai pas, je ne veux même pas que tu me répondes. Vraiment, véritablement. Parce qu'avant de débuter tout ceci, si vous étiez même encore plus respectueux, tous les deux, vous seriez venus même vers moi, ou tu serais venu m'appeler, me dire, tiens, voilà, Bayer, voilà ce que je vis. Et je venais appeler Albert, vous faire asseoir et entendre raison à tout un chacun. Maintenant, madame, je crois que c'est vous-même le nœud du problème ici. Vous comprenez? Il est inadmissible, quel que soit le degré de pauvreté dans lequel vous êtes plongé, quel que soit le degré de famine, vous avez choisi votre homme. Donc, assumez. Ça voudrait dire qu'il neige, qu'il pleuve, que ce soit même un désert. Vous devez supporter votre homme, attendre qu'il vous apporte le peu qu'il s'est promis d'apporter, parce que vous êtes là pour le supporter. Donc, je ne veux plus, je suis venu là pour vous dire, franchement, j'ai très mal à la tête, je veux me reposer et je ne veux plus vivre cette situation-là. Il faut m'arrêter ça. Sinon, si ça continue comme ça, moi, je serai obligé de me séparer de vous et je vais mettre d'autres locataires. Et c'est quoi ça, la fin? Ok, j'ai compris, Bayer. Voilà. Désolé, mon frère. Désolé, je ne veux pas la paix avec toi, pas chez toi. Moi, je suis la femme. Non, c'est bon. Ok. Moi, je ne veux pas la paix. Et okay. Toi, madame, passe là-bas. Mon téléphone est même resté là. Hein? Oui, c'est vrai, tu as besoin de téléphone à la cuisine. Hein? Et comment vous voulez le téléphone comme ça? Qui voulez le téléphone? Va me donner mon téléphone. Va me donner le téléphone de ma femme. Toi, tu restes là. Va me chercher ça. Va me donner le téléphone de ma femme. Avance. Un voleur comme ça, là, tu n'as même pas honte. Tu passes sur un voleur. Tu n'arrives pas à m'arrêter. Avance, pardon, tu vas me donner le téléphone de ma femme. Tu connais comment il a acheté ça? Oh, hein? Seigneur. Avance là-bas. Qui te prend pour qui? Voilà comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Ma poule. Avance là-bas. Il y a même quoi? Mais. Oui. Je dis que tu avais fait un voleur comme ça, comme si. Oh. Tu es un grand voleur, avance. La situation va s'arrêter quand? Tous les jours, la même chose. Ah, je suis fatiguée.